Bonjour, vidéo pour vous annoncer la sortie de mon nouveau livre, Champagnac, terre de lutte. C'est un livre, du coup, un ouvrage sur les luttes qu'ont menées les mineurs de Champagnac, dans le Cantal. La mine de charbon en Cantal, et où il y a eu, comme dans de nombreuses mines, de nombreux mouvements sociaux, 1895, 1913, 1914, 1918, 1927, 1929, etc. Si après 1929, ça se calme pas mal. C'est vraiment entre 1918 et 1929, il y en a beaucoup. Mais si vous voulez découvrir à la fois donc, l'histoire de ces différentes grèves et un peu d'analyse d'ensemble sur ces grèves, notamment pourquoi certaines périodes sont fortement agitées alors qu'après ça se calme, quelles sont les particularités de ces mouvements comparées à ce qu'on a pu observer dans d'autres mines, la participation également des étrangers à ces mouvements sociaux, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent dans les mines, et leur attitude durant les grèves est quelque chose qui est fortement étudié par les autorités, notamment la préfecture. Donc j'ai eu pas mal de rapports à ce sujet-là. Il y a les syndicats également qui essayent de les mobiliser avec des tracts en plusieurs langues. Donc là aussi, c'est un sujet que j'ai pu étudier. Bref, j'ai également des biographies de syndicalistes. Donc c'est un livre qui fait une centaine de pages avec quelques illustrations. Je le vends à 15€. Il est plus cher que le précédent qui était à 12€ parce que la qualité d'impression est meilleure. Les images, les documents d'archives également que j'ai photographiés, que j'ai mis dedans, sont de meilleure qualité, ils sont bien mieux lisibles. Le texte est également un peu plus gros. Bref, on a gagné en qualité sur le livre, donc forcément ça joue un peu sur le prix. Mais voilà, je ne veux pas dépasser les 15€ par contre. Voilà, après je trouve que c'est trop cher. Mais voilà, donc... Il est pour l'instant en vente, médiathèque d'Ide, bibliothèque municipale de Champagnac. Il va, je les ai déposés à la librairie Prologue, mais il reste à signer les papiers parce qu'ils n'avaient pas le bon de dépôt. Donc ça devrait être fait d'ici la fin de la semaine. Donc semaine prochaine, librairie Prologue, et d'ici la fin du mois, j'espère, librairie Rognes-Montagne, normalement, ça devrait pouvoir être déposé, ça s'est validé, et librairie Point-Virgule à Aurillac d'ici la fin du mois. Et n'hésitez pas à aller voir vos libraires. Si vous êtes du coin, Cantal, Corrèze, Puy-de-Dôme, pour leur en parler, si ça vous intéresse, pour demander de commander ce livre pour l'avoir. Et si vous êtes trop loin, si vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, je ne vais pas envoyer, comme c'est de l'auto-édition, ces livres aux librairies là-bas. Alors, éventuellement, vous pouvez toujours tenter de voir si votre libraire veut me le commander, mais voilà, ça serait juste un exemplaire, donc ça serait cher la livraison. Voilà. Mais vous pouvez toujours tenter, hein, c'est toujours cool de passer en librairie, mais si vous êtes loin, il y a l'option de l'achat en ligne sur Bookelis, Champagnac Terre de Lutte. Je vous mets également le lien en commentaire, en description de la vidéo, pour que vous puissiez l'acheter en ligne si ça vous intéresse, là aussi au prix de 15€. Je vous mets également, si ça intéresse, le lien pour le premier livre, Quand la mine s'arrête, qui est en vente globalement dans les librairies Ussel, Bord-les-Orgues, Champagnac Ide, Mauriac, Rieux-Metz-Montagne et Aurillac, qui lui dure la fermeture de la mine de Champagnac. Lui aussi, il peut s'acheter sur Bookelis. Si vous êtes trop loin, encore une fois, toujours si vous êtes du coin, privilégiez l'achat en librairie. Donc voilà, c'était pour vous annoncer cette sortie. J'ai sorti deux livres en moins d'un an. Ça va ralentir après. Hein. Le prochain livre, maintenant que je travaille, parce que j'ai une période de chômage, il va quand même permettre de finir ce livre. Là, je vais travailler. Le prochain, j'ai déjà le thème, j'ai déjà une base pour le livre, mais ça sera pour l'automne 2025, dans un an et demi plutôt. Donc là, ce sera sur les mouvements migratoires à la mine. Comme je dis, sujet que j'ai déjà pu légèrement aborder ici, mais j'ai beaucoup d'autres choses à dire sur notamment les autres aspects avec les mouvements sociaux, même si je reparlerai de cet aspect-là quand même. Bref, je ne vais pas être plus long, je publie cette annonce et c'est l'officialisation du coup de la sortie du livre. Au revoir tout le monde. Si j'arrive à couper.